Dans mon miroir, je vois mes défauts et mes défaites. Mais j'aime voir ma réussite, car c'est le reflet de ton échec. Yeah, j'suis dans mon jacuzzi, t'es dans ta jalousie. Jalousie. J'reste dans mon jacuzzi, reste dans ta jalousie. Jalousie. Il rage fort, on appelle ça de la jalousie. Il rage fort, on appelle ça de la jalousie. Tu parles, on appelle ça de la jalousie. Laisse-les parler. Jalousie. Yeah, j'ai percé dans le peur à frérot. Wenix, sa mère, les bracos. Le rap sans DJ Mehdi. Bonsoir amis Sèche, on se retrouve enfin devant un nouveau chenille. Et comme vous pouvez le voir sans doute, il s'agit d'un magnifique mystère qui vient d'apparaître sur ma console, au bas au chêne sur mes sols silver. Je suis vraiment... vous pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux. Ça fait énormément de temps que je n'ai pas trouvé de chenille. Vous avez sans doute pu le remarquer que au niveau de ma chaîne... C'était un petit peu le néant ces jours-ci, mais là ça y est, ma malchance s'est enfin rompue avec ce magnifique mystère. Mais franchement, je suis vraiment, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point je suis content. Quoi. Depuis mon fail de Paras au Safari, écoutez bien, j'ai vu plus de 35 000 Pokémon. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de ma malchance? C'est quand même assez abusé, et là c'est vraiment un soulagement de voir un chenny apparaître, franchement. Et en plus, mais quel chenny quoi, mystère, mais il est trop beau quoi, il m'a flashé à la gueule, mais c'est un truc de fou. J'étais en train de regarder une vidéo de Mantalo, un chenny hunter qui participe pour la SHTC quand il est apparu, et franchement, mais il m'a flashé, mais c'est hallucinant. Il est vraiment super beau. Voilà, je suis bouche bée, je sais pas quoi dire. Franchement, alors c'est mon premier point pour la SHTC. Et il me semble que c'est le 7e point pour mon équipe. Non, c'est pas mon premier point, c'est mon deuxième. Enfin, ce mystère rapporte 2 points vu que c'est un chenny a une chance sur 1 132, donc voilà. Donc c'est mes 2 premiers points et je suis vraiment content. Vraiment content de l'avoir trouvé. Quoi. Et en plus c'est ma cible quoi, mais franchement je suis aux anges. Donc là je l'ai trouvé à peu près il y a à 2h du matin. J'étais sur Skype un peu à l'écrit avec Articodin, un des membres de mon équipe, mais malheureusement il a dû partir parce que bon voilà, il était tard, donc il est parti. Et ce chenny a décidé d'apparaître après, mais c'est pas grave. L'important c'est que j'ai enfin trouvé un chenny. Putain, j'en pouvais plus quoi. Vous vous rendez compte, presque 40 000 Pokémon depuis mon Paras fail. Depuis un fail en plus. Hein. Je vous raconte même pas depuis mon dernier chenny attrapé, mais c'est hallucinant. La malchance, c'est abusé. Bon, j'ai assez parlé, on va quand même penser à le capturer, ce serait utile. Donc non, je vais pas l'attaquer parce que sinon je risque de le tuer. Donc, je vais le lancer des boules directes. On va le lancer une faiblo. Allez, c'est parti. Voilà, mais je suis trop heureux quoi. Je suis trop heureux. Et voilà, capturé. 2 points pour ma team. C'est trop génial. Voilà. Non mais regardez sa beauté quoi. Non mais. Il est trop beau. Voilà, il y a que ça à dire quoi, il est trop beau. Donc toi à la maman, tu fermes ta gueule. C'est pas le moment de parler. Ah mais putain, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta vie, putain, mais ta gueule. Enfin bref. Donc comme vous pouvez le voir, j'étais au bois aux chênes sur Muscle Silver où Mister est à 60% de nuit. Donc c'était la zone idéale pour l'avoir quoi.
Donc cette recherche, je l'ai commencée il y a 2 mois et demi à peu près. Et le chiffre total de la recherche doit être dans les alentours de 13 000, je pense. Voilà, 13 000. Donc Muscle Silver était assez généreuse au début, mais là elle commence à me faire de gros chiffres. J'avais fait 9 000 pour Paras au Safari, et là je fais 13 000, donc Muscle Silver commence à être rebelle et ça me plaît pas du tout. Voilà, mais bon, l'important c'est que je trouve un chenille, c'est l'essentiel. Donc attendez, non, on va pas aller là tout de suite. On va sauvegarder d'abord. Ce serait une bonne chose. Donc oui. Oh là là, mais je suis trop content, quoi. Je suis trop heureux. Donc je sais pas si vous arrivez à entendre ma console à côté, mais je faisais la forêt d'empoigne en double. Je vous montre. Donc il y a. Oula. A l'air un peu pourri, donc là on peut voir un larvier normal. La forêt d'empoigne, là je commence sérieusement à en avoir marre. Ça fait depuis fin mars que j'ai commencé cette recherche et il n'y a aucun chenille qui est tombé encore dessus. Donc ça suffit. Ça suffit, là j'en ai marre. Et il me semble que quand j'ai trouvé Paras. Attendez, je replace juste. Voilà. Il me semble que quand j'ai trouvé Paras, j'étais à 5 000 à la forêt d'empoigne. Et actuellement, j'en suis à presque 22 000. Donc voilà. Quand je vous dis que j'étais malchanceux, c'est vraiment vrai, quoi. J'ai vraiment galéré. Depuis ces 3 mois-là, c'est vraiment la misère pour moi, là. Franchement, c'était vraiment dur à encaisser. Et là, trouver ce mystère, c'est juste un bonheur, quoi. Enfin, j'ai pas de mots pour expliquer ma joie, quoi. Voilà, c'est vraiment abusé. Donc, je vais le tenter d'équipe, afin de vous le montrer. Allez, c'est parti pour les rencontres. Ah là là, que d'émotion, ouais. Un mystère normal. Par contre là, la qualité. Bon, j'espère que c'est pas trop dégueu. Oula. Bon, c'est la nuit, j'ai un peu du mal à parler, désolé. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vos yeux. Bon, je pense que c'est quand même assez potable, mais non. Ah, mais de dos, quoi, mais. Oh, il est trop marrant. Voilà, mais. Je crois pas que je suis tombé dessus. Franchement, c'était ma cible, quoi. Je me suis pas fait troller par Nosfera Troll. Ah, mais putain, mais la qualité elle est pourrie là. Bon, c'est pas grave. Bref. Ok, allez, encore une autre fois. La Macron arrête pas de se barrer, ça commence à m'énerver. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez pu voir à peu près. Voilà. Donc voilà, bah, mon premier chenille de la SHS de là. Oula, mon Dieu. Mon premier chenille de la SHTC. Voilà. Donc voilà, au bout du 4e jour, bon, ça passe. J'aurais pu faire pire. Là, depuis la SHTC, j'en suis à peu près à 7 000 Pokémon vus, donc c'est plutôt pas mal, je pense. Enfin, je trouve, enfin, pour moi, c'est pas mal. Donc voilà, c'est cool. Donc, je vais passer aux dédicaces. Donc, premièrement, je vais dédicacer les membres de mon équipe. Donc, en premier lieu, Articodin, qui a trouvé Poichigeon et Chetiflor Chani déjà. Donc GG à toi, c'est toi qui as le plus de points pour l'équipe. Oula. C'est toi qui as le plus de points pour l'équipe. Tu en possèdes déjà 4, donc voilà, GG à toi. Ensuite, Momartic SH qui a trouvé un magnifique Ramolos Chenis sur Y en Nord.
enfin, sur Y, enfin sur 6G, quoi. Je sais même pas pourquoi je dis Y. Ouais, un Rabelos sur 6G en orbe. Donc GG à toi parce qu'il est super beau, quoi. Et sinon il y a Flora qui n'a encore pas trouvé Chenny, donc je t'adresse tous mes encouragements et j'espère que tu vas trouver vite. Donc voilà. Voilà pour les membres de mon équipe. Donc je vais mettre les étoiles. Voilà, quelle beauté, quoi. Sa beauté est juste indéniable, quoi. On ne peut pas. On ne peut ne pas l'aimer, c'est pas possible. C'est juste magnifique, quoi. Enfin, depuis le temps que j'attendais ça, putain de merde. Je suis vraiment en manque, là. Franchement, mais. Ma poisse. C'est juste abusé, quoi. Donc sinon, je vous ai dit que pour la forêt tamponne, j'étais à peu près 22 000. Sinon, pour tout à fait, j'en suis à presque 20 000. Bon, je l'ai mis un peu en pause, vu que je le fais en live. Et bah, du coup, ça me ralentit pour la SHTC, donc j'essaie de pas trop le chasser pour l'instant. Et même, je suis pas très motivé pour le chasser. Je préférais chasser Misterbe et la forêt d'empoigne parce que c'est les recherches où je suis le plus motivé. Donc voilà, et sinon, bah, y a toujours le désert de Saphir où j'en suis à 36 000. Mais bon, ça. Je m'attends à plus grand chose de cette recherche là. Je la chasse de temps en temps et. Pour l'instant, il n'y a aucun chenille qui est tombé, c'est vraiment abusé. Donc là. Voilà, bah quand il y a un chenille qui tombera, bah, je pense que ça va être juste épique, quoi. 36 000 sur ma saphir, j'ai commencé cette recherche il y a je sais pas combien de temps. Voilà, Misterbe. Voilà. Bon, sur ce, ben, je vais vous laisser parce qu'il est quand même assez tard, il est 2h30. je l'ai trouvé vers 2h, donc voilà. Donc voilà, je vous laisse là et j'espère que. J'espère vous fournir un max de chenny pour la SHTC. Franchement, je suis ultra motivé à chasser là. Et maintenant que j'ai trouvé un chenny, je vais l'être encore plus. Parce que j'espère avoir brisé ma malchance. Donc voilà. Voilà. Donc on se quitte avec les étoiles vite fait. Et on se dit au revoir. Voilà. Mister Chenny. Putain. Donc bonne chance à tous, bonne chance à toutes les équipes de la SHTC. Et je vous souhaite de trouver un maximum, quoi. Et je souhaite bonne chance à mon équipe pour qu'on soit bien placé. Il me semble qu'on est, je crois, quatrième pour l'instant, donc c'est pas mal. Bon, ça fait que 4 jours que ça a commencé, donc ça peut très vite changer. Mais bon, le quatrième, c'est bien. Donc voilà, bonne chance à toutes les équipes et à bientôt. Ciao. Ciao, ciao, ciao.